Alors, est-ce que mes contrôles sont encore bons? Parce que j'étais en 18-2. Je me fasse pas de conneries. Non, ça a l'air d'être bon. Là, les packs. Donc, elle devant. Elle devant. On est bon. Et j'ai changé un peu de style de musique. Non, pas ça. Ouf, maintenant on cherche des musiques de copyright, ils nous mettent des musiques lo-fi tout le temps, donc à un moment donné c'est bien, mais bon. Lo-fi c'est vite chiant. Oh, attendez. Je viens de voir une vidéo qui m'intéresse beaucoup. Le Samba Faithful a été mis à jour, il faut que je le télécharge. Bonjour à tous, on se retrouve. Ah, ta gueule, William. Voilà. Je veux juste télécharger le. Je veux juste le. Samba Faithful. Merci les recommandations. C'est celui-là, voilà. Attendez, du coup je m'occupe de ça. Minecraft, c'est ressources pack, enregistré. Ok, donc on va dans les packs de ressources, donc on enlève le 1.29. Et du coup, il est où? Je crois qu'il est trop vite. Ah là, ça m'a fait full. Hop. Nickel. Du coup, ça a dû mettre à jour certains trucs par rapport à la 1.19. C'est cool. C'est cool. Attends, c'est moi où il y a des trucs, c'est la texture, elle est. Attendez, si je me remets la version 1.9 avant. Ah oui, en effet, faut que je le remette, ok. Bref, moi j'ai cherché la musique à la base. Oh, ça, c'est ce que je mettais quand au début, dans les premiers streams que je faisais. J'ai oublié de remettre ça à la bonne vieille époque. On me rappelle tellement la cité des éléments, c'est horrible. Du coup. Comment on peut faire ça? C'est pas spécialement guidé, donc c'est pas évident. Oh, je sais, on va faire un truc différent de ce que je fais d'habitude. Je vais faire dans le sol deux descentes qui vont relier à des fours automatiques. C'est un truc que je n'ai fait pas d'habitude. Ça peut être sympa à faire. On va laisser un truc de 3 de large pour faire le sol. On va creuser le sol. Et bien sûr, on va laisser le centre aussi qu'on va faire le sol.
Pour le sol, pour la fin, j'ai pas rien. Une fois, j'ai fait un sol en ruche. C'est franchement, c'était cool. Tu m'étonnes, mais ça doit coûter cher, n'empêche. Hein. Oui, je sais, mais ça doit quand même coûter cher parce que si t'as pas de quoi aller te faire, t'es un peu dans la merde. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou alors je fais pas des fours automatiques, mais je fais le bassin d'aquarium, justement, dans les deux là où je. Dans les deux espaces que je vais laisser. Je pense que ça peut être une bonne idée. Un aquarium de poisson et un aquarium d'axolotes, ça peut être grave cool. Par contre, les poissons, il faudrait que je trouve un biome océan chaud. Ou alors je fais un truc de bassin, mais qui est relié, donc ça serait full bassin axolote. Mais du coup, dedans, le truc, c'est qu'il y aurait un passage qu'on verrait en vert. Il va falloir faire surtout du vert. Je vais aller chercher du sable. Je vais aussi finir ce couloir. Je savais qu'on avait du sable dans ce truc. Je vais mettre ça à chauffer. Maintenant, il faudrait que je trouve que je réfléchisse avec quoi. Enfin, en quoi je fais le sol de la salle des coffres. Est-ce que je ne ferais pas un ardoise perlé? Ça peut être grave cool. Merde, je crois que le tinketeur doit être encore au niveau de sa baraque. Ça devrait suffire pour faire le sol. Est-ce que je vais en avoir assez? Telle est la question. Oh, je crois que j'en aurais clairement pas assez. T'as été mettre le bazar chez Zirconix, sérieux? Ah là là! Ah, t'es vraiment le pire, Red.
J'ai lancé un train, mais vous êtes... on n'était que deux. Ah oui. Pourquoi il y avait une tortue? Parce qu'il faut pas chercher la logique. Il coûtera un an! Fred! Alors j'ai une idée de la Sois un peu sage, Red, pour une fois. Que t'en as bien lancé assez comme ça chez moi. Je vais peut-être nourrir un peu les vaches aussi. Ça s'appelle Bobby, ouais, ça s'appelle Bobby. Bobby la tortue. C'est le Mia qui l'a renommé comme ça. Elles sont un petit peu tirées, je pense. C'est aussi qui se trimballe, tiens. Bon, allez, on va chercher un peu de slate. La voix explosée, les vaches, non, non. J'irai les tuer au bout d'un moment, comme ça on en aura un peu moins. Un petit peu en son. Ouais. MDR, je viens de tomber sur une grotte en faisant par hasard, sérieusement? Quelle couche là? Moins 8. Oh, il y a du monde là-dedans. Restez là pour le moment. Je vais juste mettre un, voilà, un truc comme ça pour vous dire qu'il y a un truc ici. Parce que je sais que je serai capable d'oublier. Ah.
Il a fait une tentative, ouais, mais je crois qu'il a loupé un peu quand même. C'était bien tenté, c'est ça. Il avait tenté, mais c'est pas passé. Bien tenté de sa part. C'est impressionnant comment ils sont serrés là-dedans. Oui, ça avance, bravo, ça avance, ça sale gosse. J'avais fini de la remplir le coffre samedi quand j'avais arrêté. Là, je suis en train de faire le design du sol et après, je ferai le design du. Du plafond. D'ailleurs, Brad, en venant de la Deep Slate, je suis tombé par hasard sur une grotte, hein. Si jamais, hein. Pour dire. Un truc que je vais faire aussi, c'est que je vais foutre ça dans les coins et je vais faire des trucs de pylônes. Alors ici, on va avoir des petits billets. Ça sert à rien que je te rejoigne. Tu n'es pas obligé. Si tu veux venir, tu viens. C'est au choix. Tu peux venir si tu veux, mais c'est en aucun cas obligatoire. C'est habituel maintenant ici, Lolo. Hein. Les lives font en général un peu plus de 10 heures. Bah, je vais plutôt aller me coucher, demain, bientôt, je vais me rappeler demain. Yes, pas de soucis, Brad, c'est pour ça, je te dis, t'es en aucun cas obligé de venir si tu as autre chose à faire. T'en fais pas. Moi, 10h, c'est mon max. Le maximum que j'ai fait jusqu'à maintenant sur le stream, c'est 16h. J'ai fait déjà 16h de stream. Question d'habitude après Lolo. Ah, c'est cool ça, Brad. C'est pas cool. Yes. Moi, dès que j'aurai le temps, faudra que je crée le background de mon perso de JDR que je vais faire là, sur le fin du mois. Alors je vais créer un background, sauf que j'ai zéro idée en fait. Ouais voilà, c'est pour ça Lolo. Moi, dis-toi que j'ai commencé à stream, je venais d'abandonner mon bac, donc techniquement je n'ai plus de cours. Hein. Donc j'espère qu'il y aura du monde en rendez-vous hype pour mon lore. Yes, bah j'espère pour toi, franchement j'espère vraiment pour toi. Combien je le creuse? Je peux encore creuser 2-3. Et ici, on mettra du vert. Voilà.
Si, un one shot, te prends pas la tête, faut plus que la personne. Oui, mais bon, faut que j'en crée un quand même. Faut que je m'en prenne, faut que j'en crée un quand même, parce que du coup, hier, j'étais avec la personne vite fait en vocal qui organise le JDR, elle m'a dit que c'était bien que j'en fasse un quand même. Faudrait que je prenne le temps pour le faire, mais j'ai quasiment pas de temps pour moi, quoi, c'est chiant. Enfin, après, c'est moi qui le veux, hein, de pas avoir quasiment de temps, hein, mais quand même. Ah, bien sûr, c'est toujours pas bien un minimum. Yes. Et puis en soi, ça restera un... ça, le... mon perso que j'ai créé, là, ça restera un perso que... qui fait partie de mes OC. Donc un jour aussi, je lui ferai un, bah, enfin, je lui ferai aussi un lore. Là, j'ai déjà eu des idées pour le lore de mon deuxième perso, techniquement, donc Emitesia, mon personnage futuriste. J'ai déjà eu une idée de lore, mais très vague. Donc bon. J'ai la même chose la semaine dernière. J'ai commencé une campagne que j'aurais pas le time. Yes. Du coup, Brad, demain, tu auras ton planning, c'est ça, de cours et tout le bordel, non? Il faudra que tu en fasses un pour le mien aussi, le JDR. Quand il sera prêt, ouais, pourquoi pas. Effectivement, pour la semaine. Ok. Ce qu'on voit pour scaler notre jour Minecraft, quoi. Parce que moi aussi, il faut que je prenne en compte que vendredi, à partir de vendredi, en fait, à partir de vendredi 11h, en fait, je suis en caritatif tout week-end. Après, je peux quand même faire ce que je fais habituellement. Ça change pas grand-chose. Ça me va, ça me va, ça me va. Voilà, je vais aller me faire Netflix. Lolo, peut-être à demain. Ça marche, Lolo. Bah, bonne nuit à toi. Bon visionnage de Netflix et merci d'être passé. Salut! Salut. Merde, Fillon, il est tombé dedans. Mais quel abruti cette ours! Ah, c'est cool, ça pourrait être bien cool pour toi, ça, Brad. Viens porter Stan. Ivan l'ours, non, c'est pas Ivan l'ours. Non, il s'appelle Fion. C'est Lumia qu'il l'avait renommé comme ça. En référence au fait que bah, on est parti en couille samedi soir par rapport à nos références reliées à l'âge de glace et objectif Mars. On était un petit peu parti en couille. Seulement un petit peu. Et du film Minimoys là. Attends que je suis en haut. Je vais avoir besoin de ça. Attends, on va récupérer. Maintenant, tu les hibas à niveau. Aïe aïe. On est bon là-dessus. Bah, je vais me refaire une hache parce que la mienne va lâcher. Ça a pété leur plume. Merde.
Non, ça je vais garder. Du coup, il me faut autre chose. Est-ce que je peux faire des murets avec ça ou c'est toujours des. Oh, je peux faire des murets. Ok, avec ça j'en bats. Donc ça, donc j'avais dit ça. Là, je prends un peu de bois de sapin. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour ramener l'ours. Il le fout quelque part, qu'il arrête de bouger. Mes axolotes. Ça marche, pas de soucis, Brad. Pas de soucis, pas de soucis. Il a trois hier soir. Re à ça. Ça aussi, j'en ai besoin. On va faire un maximum de déco avec ça. Il me faut du sable. Voilà. Normalement, il y en a assez. C'est bien normalement. Et il fallait aussi les os. Mais les os, ils sont pas en bas. Mais c'est donc bien pour ça. Je vais prendre un peu de fer sur moi. On va aller mettre un peu de bois. Il rip un certain perso, que je vais pas spoil, mais j'espère trop qu'il va revenir. C'est un peu trop pour. Oh. Merci à ça, pour le patate. Mais en fait, tu parles de quoi, Brad? Tu parles de quel truc? Là, tu m'as complètement paumé. Overlord. Ah! Rip, un certain perso. Attends, quel perso meurt déjà dans la saison 3? Tu m'as perdu là. Ah, si, oui, j'étais en mode. Attends, de qui tu parles? Mais oui, ok. Bah, bon attelage à la saison 4. Hein. On a un épisode qui sort demain, normalement, en plus. Franchement, pour le moment, la saison, elle est super, ouais. Elle est super cool. J'aime beaucoup, moi. Je dirais quoi demain soir? Yes. Pas de souci. Allez, on sort lui de là, parce que... Il est chiant. Allez, monte. Sors de là, l'ours. Allez. Mais... Blague. Allez, monte. Oh putain, mais j'ai un ours abruti, c'est une dingue. Donc, c'est dingue, c'est dingue. Allez, viens là. Pour le moment, je te fous là. Faudra que je continue cette vanne d'être d'ici. Passage.
Alors, je pose encore du 1, je suis en train de penser parce qu'il faut quand même que je mette le sol. Tu m'as fait peur, Stan. Là j'ai réussi, ouais ça m'a un peu surpris, je vais pas te mentir. Ça m'a pris un peu par surprise. De qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur le sol, sur le sol. Donc sur les murs de l'aquarium. Comme que je vais garder pour la déco de la salle des coffres. Hop, là-dedans. On va y refaire une pioche coupée. J'avais ça qui traînait, donc on va reproduire encore un peu les vaches. Il y a peut-être un peu beaucoup de vaches. Aïe. Attends, j'ai plus de lapis. Oh, attendez, je viens de recevoir un truc qui me fout trop là. Alors, attendez. Attendez, il faut que je sorte mon traducteur. Oh, j'adore! C'est trop fan! Oh, attendez. Attendez.
Alors, pour que je vous montre ça. Alors, pour ceux qui savent, hier, j'ai recommandé un lot d'émotes pour les personnes qui vont littéralement. Enfin, qui ont les bits par rapport au palier de bits. Je viens de recevoir 4 croquis sur 5 parce que bah, j'ai du mal à exprimer ce que je recherchais exactement pour la 5ème émote, donc la personne a un peu de mal. Mais du coup, il faut que je vous montre ça. Je suis en mode, what the fuck? Regardez-moi ça! Les mots de passe-passe, elle est trop bien! Je fonds! Elle est juste trop bien! La patte-patte, elle sera disponible pour les subs. Je tiens à préciser, les mots de cadeau sera changé en échange avec elle. Ensuite, on aurait les mots reliés aux bits, justement. Je trouve trop petit. La version un peu en mode sadique et la version bonk qui sera disponible aussi par palier de bits. Ou alors je la mettrai peut-être par palier de sub, je vais voir. Peut-être que je la mettrai en sub, mais à la place de quoi par contre j'ai juste trop hâte. Oh, l'avatar, il a bugué juste de me pointer les yeux. Oh, j'ai trop hâte. Là, j'ai pas crafté l'épée, je suis conne. L'épée, la pioche. Mais ça finit. Non, vous laissez à quelle heure? Oh, ça va, j'ai pas trop répondu tard. Je sais que des fois je sais pas l'heure. On va faire un petit peu la musique. Peut-être que je vais peut-être le faire en pierre taillée, le fond, enfin le fond, la base des murs de l'aquarium.
On va peut-être faire un quatrième, comme je disais. Alors, on va trouver le fond et on va mettre le... Attends, par contre, j'ai oublié un axolot. Normalement, j'en avais 4, j'en avais pas 3. Oh, la cruche que je suis. Attendez. J'avais l'axolot dans mon truc avant. What? What the fuck? Je comprends pas trop. Ok, je suis juste trop conne. My bad, je suis juste trop conne. Salut Topido, comment ça va? Bienvenue à toi. Ça va. Ça dépend des endroits, hein, je t'avoue. Enfin, moi, il faisait beau, mais chaud. Et d'ailleurs, je vois que le ça s'est adoucé, donc je vais vite ouvrir mon vélo. Qui sont présents, ouais. Voilà. C'est vraiment à pencher comme ça. Thank you.
faire un peu de raft et faire des trucs dans l'eau comme ça. Hein, je pourrais faire des monticules de ça plutôt que ça reste plat. Voilà, ça c'est bon. Non, Red. Reste donc sage, Red. Plaisante. Ouais, ouais. Demain, je te connais, on sait jamais. Bah, le son a pas fonctionné. Ah si, ça y est. Je me disais, attendez, moi j'ai prêt. Pourquoi j'avais pas le son? Aïe. Il ne manque pas grand chose, hein. Il ne manque pas grand chose. Voilà.
Parfait. Ok, on va pouvoir commencer à remplir l'eau. Et surtout pas des monticules de sable, voilà. Et je voulais aussi essayer de faire de quoi éclairer le fond marin. Donc là, en fait, soit je chope de la glowstone, soit je chope des concombres, des cornichons verts, voilà. Le truc, c'est que étant donné qu'on n'est pas dans un bio chaud, pour les cornichons de mer, on les a un peu dans le cou. Du coup, je pense qu'on va devoir opter sur la paix d'utiliser des de la glowstone. Ça marche, Red, pas de soucis, passe une bonne nuit. Ah, attendez. Et attendez, Stan. Attendez. Attendez, attendez, faut que je réponde à un message. Grave cool, Red! Grave cool!
Voilà, désolé, je vais demander du coup à la personne qui fait les émotes. Du coup, je vais vite fait aller dans le Nether chercher de la glowstone. Oh, les shroom lights, ça peut être bien aussi. Salut Yanis, bienvenue à toi, comment vas-tu? Bien ton testan. Hello monsieur. Merci Yanis pour ton follow, bienvenue à toi. Peut-être des shroom lights, ça peut rendre bien. Je sais pas, on va tester hein. Bien tenté Yanis. Oh non les gars, merci mais non. Ah mais ne fais pas des prières comme ça, toi dégage. Oh mon dieu. J'ai fait un test à base de shroom light, on verra bien. Il a tenté ça, mais je suis dans le Nether, tu sais. Je vais prendre un peu de shroom light et je vais surtout aller chercher de la glowstone, j'en ai là. Je l'ai vu le trou de lave, ne vous inquiétez pas, j'ai vu très faire. Aucun des deux, parce que j'arrive à m'en sortir à chaque fois en général. Mais sinon, techniquement, je dirais les archers parce qu'au moins je risque pas d'avoir mon stuff qui explose comparé au départ. Yes, c'est grave cool, c'est grave cool. Attends. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que je sois retenue pour cette session-là. Yes, je croise les doigts pour ça, Red. J'espère vraiment que ça va être le cas. Et je pense qu'on va plus rester sur la glowstone plutôt que la shroom light. T'inquiète, pas de soucis, Yanis. Pas de soucis. Aïe! Ah non, pas Anne, merci, plutôt que je l'avais dit, je suis désolée.
En plus, c'est rare des compositions comme marqué dans le mail, dans le cadre de la à distance. C'est vrai, des conversations dématérialisées avec les gens de se proposer dans le cours. C'est trop cool! C'est grave cool! Salut! Aïe aïe aïe. Attends, je vais essayer un truc. J'ai que des jaunes, non. J'ai que des jaunes. Ah non, j'ai un normal. Un normal. Je suis donc pas. Yes, bah tu verras bien, Perel. Je comprends. J'aime plus mes oublis qui viennent de mon cœur. Mais désolé, c'est. J'ai voulu essayer de voir pour changer le son, mais je peux pas avec Twitch Integrated Point System. Ça marche, des bisous Red. Ah, j'allais oublier, quoi donc? Aïe! Red! Mais je vais pas l'embêter, j'ai déjà bien assez embêté le coup. Je vais pas l'embêter plus que ça. Non, c'est pas grave, je me débrouillerai. Salut petit panda, bienvenue à toi, comment vas-tu? Merci lol Anmo pour ton polo, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, ça va petit panda, ça va. Voilà, ok, donc ça c'est fait. Bah écoute, ça va, lol, pardon. Oula, j'ai eu un peu de mal, excuse-moi. Merci, Carolino, pour ton follow. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Hop, ça, et ça. Hello, mon chou. Merci, petite panda, pour ton follow. Merci énormément. Comment vas-tu, Carolino? Cadeau.
Non, faut pas faire ça. Ok. Maintenant, je vais mettre mes... Stan. J'attends que tu sois à fond pour le faire. C'est très rare quand je le suis, tu sais. Hein. Je regarde régulièrement le chat, donc bon. Merci. Jamais avoir cette verre en fait, moi. Merci Caroline, c'est gentil. Ça change un petit peu du style d'aquarium que tu fais en général dans les tiers des coffres. Enfin, mais je vais trop vite pour poser. Jamais avoir assez de trucs de plage pour pas chauffer du sable. Quoi? Attends, j'ai pas déjà épuisé deux fers? Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Salut à toi Dario. Bah écoute, ça va, ça va, ça va.
Hop, on va prendre les outils. Attendez, est-ce qu'il y a une marée? Ouais, c'est bon, j'ai encore du sable à faire fond. Par hasard, j'ai pas du verre pour faire. Si, j'en ai un petit peu là. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. C'est une survie que je fais, qu'on fait à deux, et du coup techniquement on a live deux fois dessus, non deux ou trois fois, donc techniquement ça fait, ouais on a fait peut-être une, ouais 10, enfin combien, je dirais 16, 17 heures, voire 18 heures de jeu dessus pour le moment avec mon pote. Sachant que faut savoir que cette survie est un petit peu modifiée dans le sens où on a quelqu'un qui nous fait des donjons derrière. Qui nous fait des petits donjons, des petits trucs comme ça qu'elle crée elle-même. Et du coup ça fait une survie un peu spéciale. À la base cette survie c'est surtout pour remettre un peu mon pote avec qui je joue en route dans les nouvelles versions. Parce que bah, il a pas joué avant depuis 1.12, il a pas vraiment fait de survie. Donc je lui apprends un petit peu tout ce qu'il y a eu avec les nouvelles versions. Là, en fait, on est sur le début du build et tout. Donc, ça fait un petit moment que je devais finir cette salle des coffres. Après, des survies, j'en fais depuis un moment. Moi, de mon côté, j'en fais depuis que je joue à Minecraft, littéralement. J'ai fait toutes les versions et, bah, littéralement, il y a des endroits, enfin, il y a des trucs que j'ai build. C'est genre, j'ai fait des trucs immenses. Salut Yuen, comment ça va? Bienvenue à ta sur live. Pas vous montrer malheureusement parce que le serveur où c'est en 1.18 pardon, et moi je suis en 1.19, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait que je me change de version. Ça va et toi et le chat? Ben, ça va, écoute, ça va. On attend que le VR finisse. Je vais me choper mon truc. Je vais faire un test avec des trappes. Voir si ça rend bien. Ah, ça rend bien. J'aime beaucoup. Ça rend vachement bien. Je suis grave contente. Alors, je vais juste retourner farmer un peu de bois. Il faudrait que je chope d'autres axolotes à l'occasion. Comme le nom, s'il te plaît. Voilà.
Voilà. Je vais devoir aller récupérer un peu de sapin encore. Hello mon chou. Merci Yann pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Merde. Bien tenté, Liane. Ça, orange, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais, moi, déjà? Si, couper du bois. Je vais dire, ça y est, je sais plus ce que je veux, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Oh, j'avais pas vu que mon pack de textures, il faisait des... Ça rend pitié. Il a donné de la profondeur dans les livres, c'est trop bien. Il est trop bien. Beaucoup trop stylé, ça vraiment. Ah, c'est qu'un début après un Carolino, c'est vraiment qu'un début. Suivre les épisodes car je comprends rien. Tu veux que je te résume? Ah vaya, j'ai eu trop peur en plus. J'ai eu peur des trucs qui sont arrivés. Je me suis dit, what the fuck, c'est passé quoi? Tu veux que je t'explique un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, Carolina? Salut. Salut. Alors, en gros, pour expliquer, donc de base, en fait, on devait partir sur une survie totalement. Merci pour ton sub, merci énormément. Merci beaucoup. Du coup, oui, pour résumer, en fait, de base, on devait partir sur une survie totalement classique. Et en fait, j'ai parlé de ce projet de survie classique pour reprendre pour que mon pote avec qui j'étais. Enfin, avec qui j'ai fait la survie, fasse, enfin, reprenne le rythme d'une survie de Minecraft dans les nouvelles versions. J'en parlais avec une amie et cette amie m'a proposé un concept plutôt sympathique qui était, du coup, en gros, c'est en quelque sorte, elle peut nous mettre des malus comme des bonus, elle peut à nous créer des donjons, des trucs de ce genre-là. Donc, depuis qu'on a commencé la survie, donc on a fait le minage habituel, quoi. Et on est arrivé sur cette île et on s'est dit, vas-y, on va s'installer ici. Donc il faut savoir que là, en fait, c'est un espèce d'hôtel d'invocation, en quelque sorte, de créer enfin, des trucs, là, par rapport à la personne, du coup, qui nous crée des choses. Donc là, par exemple, donc là, c'est l'hôtel de niveau 1. Donc on a des bénédictions ou autre. On peut avoir, par exemple, des animaux qu'on ne pouvait pas avoir parce que bah, notre île n'en a pas. Voilà. Ça marche, c'est bisous, Topix. Merci d'être passé. Et du coup, cet hôtel a été fait, donc on a créé l'hôtel, et dernièrement, lorsqu'on a joué... La dernière fois qu'on a joué, du coup, en fait, tout simplement, on a fait un donjon qu'elle avait fait. Je crois que si je mets une flaque de pression là, je vais encore me faire TP. Et une fois le donjon fait, du coup, en fait, on avait plein de mobs, on avait des trucs à récupérer dans les coffres. Merci, Ankercha,
si je me trompe pas, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow, j'espère que tu vas bien. Et du coup, en gros, on a obtenu à la fin, après avoir battu le boss, donc un hôtel upgrade, donc qui va nous permettre de que l'hôtel soit monté de niveau, tout simplement. Et ça va, écoute, merci. Il va être monté de niveau, et on va pouvoir avoir par exemple des invocations un peu plus intéressantes ou autres. Je vais vous donner un exemple. On récupère pas mal de livres. Hop, je sais pas si c'est un bon exemple. Non, pas celui-là. Non plus. Pas celui-là. Voilà, regardez. Par exemple, en gros, si on veut un mouton, il faut qu'on place tel truc dans les item frames en question. Ou alors des vaches, des poules, ou encore des villageois. Enfin, j'avais pas vu les villageois, ça par contre, no joke. Donc ça, au moins, je sais que, voilà, il y a ça qui est intéressant. Mais on a eu d'autres trucs. Je vais voir. Voilà. On a ça, par exemple, en fait, qui nous permet, en fait, d'invoquer la personne, du coup, en question qui nous donne ces choses, afin de nous aider sur quelque chose en particulier. Mais, du coup, il sera... Enfin, la personne... Enfin, en fonction de l'hôtel, du niveau du... Enfin, le niveau de l'hôtel, en fait, il sera plus ou moins puissant. Si on invoque avec le... Ah, Yann, doucement, si c'est avec les sons. Ah. Mais du coup, il n'y a pas de souci, Yann. Et en fait, là, pour expliquer, l'invocation que j'ai dans les mains actuellement, en fait, ça, donc comme je disais, ça peut nous aider. Mais en fait, si on l'invoque avec, avec le niveau actuel qu'on a au niveau de nos stuff et tout, ce sera pas à grande utilité. Moi, par exemple, on veut l'utiliser pour... on veut l'utiliser pour obtenir, du coup, quand on fait un bâton. J'ai trop eu peur. On veut l'utiliser pour faire un bastion. Comment on fait des dons? Des dons par rapport à quoi? Des dons... Tu veux quoi? Sub et autres? Il n'y a pas de soucis en Kersha, ça m'a juste surpris, ne t'en fais pas. Et en gros, pour expliquer, tout simplement, regarde dans la bio du live, il y a un lien normalement, si c'est ce que tu souhaites. Bien sûr, rien n'est obligatoire, ne va pas te mettre dans la merde pour moi, garde donc tes sous pour toi, pour te faire plaisir à toi-même. Et en gros, du coup, par exemple, là, actuellement, on n'a pas... Salut la quatrième de Jackie, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Là, par exemple, en gros, on a un stuff vraiment limite, on commence à peine à avoir du diamant parce que ben, on a eu du mal à en trouver et on en a eu grâce au donjon qu'on a fait récemment. Là, si on l'équipe en fer, par exemple, bah, si la personne du coup, en question meurt avec le stuff, bah, on est un peu dans la merde parce que, bah, on aura gaspillé notre truc pour ça. Et du coup, oui, derrière, plus notre hôtel sera haut, plus la vocation pourra être puissante et même carrément venir avec son propre stuff. Et ça va, moi, la quatrième de Jackie, ça va pas. Et du coup, voilà, on a eu aussi un autre truc. C'est pas ça, il me semble. Non, c'est le journal de Darkness. On a pas mal de bouquins. Tac. Voilà, on a eu aussi celui-là qu'on a. Là, on l'a fait. Donc, c'était une bénédiction. Et la bénédiction nous a permis d'obtenir, du coup, les cœurs supplémentaires que j'ai là en plus. Donc, là, les 6 cœurs. Simplement. Mais pour vous montrer un truc, du coup, comment on accédait au donjon, en fait. Attendez, je vais dormir avant. Je vais vous montrer parce que elle a fait une structure. Elle a fait un bateau au niveau. Enfin, un peu plus loin. Il nous a permis de récupérer un item. Et voilà. Ok, merci, c'est beaucoup, c'est beau, et merci beaucoup, et stylé. Yes, la personne, bah, du coup, Lunmia, qui nous fait ça, a beaucoup d'idées, et je trouve ça énorme. Là, après, c'est surtout une espèce de saison test, étant donné que peut-être qu'on le fera de son côté, parce que là, malheureusement, on est sur un Minecraft Ruins, du coup, on est très limité sur ce qu'on peut faire, on peut pas mettre de mode, ni rien. Mais du coup, elle fera là, c'est une saison test surtout, et elle fera sûrement des saisons de son côté aussi. Voilà. Donc voilà un peu la structure qu'elle a fait. Oui, je suis totalement en mode survie en Kersha. Totalement survie, moi. Donc, voilà, elle a fait un bateau là-bas, un bateau de pierre, bon. Voilà.
Et c'est très gentil de sa part de faire ça, en fait. Parce que, bah, elle prend son temps pour faire ça. Et derrière, en fait, bah, c'est qu'elle est full inférieure comparée à nous qui sommes en survie avec, bah, du coup, avec Brad. Mais voilà. Et là, en fait, le but de ce qu'on a commencé à construire, donc moi, j'ai construit ça. Donc, c'est la première, enfin, le prototype, pour le moment, il n'est pas encore totalement fini, de maison de type riche. Là, il a fait une maison de type pauvre, que personnellement, je suis pas fan, mais on verra pour la retravailler. C'est un serveur, je pose beaucoup de questions. Il n'y a pas de souci. Je réponds, il n'y a pas de souci. En fait, c'est en quelque sorte un serveur. C'est un Minecraft Ruins. Donc, c'est les serveurs que Mojang propose. Donc, c'est un serveur un peu différent. Donc, voilà un peu le truc. Donc là, le serveur, c'est moi qui le paye pour le moment. Donc voilà. Merci, Caroline. Mais ouais, le bateau, c'est Elonia qui l'a fait, mais elle a utilisé un schématique qu'elle a un petit peu modifié. Parce que, bah, malheureusement, on ne peut pas voir. Ah, ça ne peut pas voir. Oh là, ça pas build. Merci, Encarchat, pardon. Putain. Tiens, on y a un mob. Me dis pas qu'il y a une grotte. Ah, c'est la grotte au-dessus. Bien tenté, Stan. Est-ce qu'il faut en avoir assez là? Ah non, je vais me manquer. Bah, il me manque pile 2 en fait. Voilà. Voilà. Du coup, ensuite, je devais aller récupérer vite fait un petit peu encore de Deep Slate parce que là, je n'en ai pas assez pour ce que je veux faire. Attends, j'ai pas eu mes trucs sur le point. Y'a pas de soucis, Caroline, on t'en fait pas. Pas de soucis. Chercher vite fait un peu de Deep Slate. Comment tu fais pour pas te perdre? Alors, merci, aïe. Aïe, couteau remis. Merci, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Comment tu fais pour pas te perdre? Tout simplement parce que j'ai commencé à être habituée à ces galeries. Au début, je vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de mal à, quand je suis descendue et que je suis remontée. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver la sortie. Donc bon, en soi, je me perds quand même. Je me suis pas mal perdue au début, ouais. Comment vas-tu, Couteau Remy? Ça m'étonne même pas, non mais ouais, c'est le d'avoir, hein, littéralement. Minecraft te fait gagner un sacré sens de l'orientation avec le temps. Ouais, totalement. Aïe. Bah écoute, ça va. Étant donné que je fais du Minecraft depuis des années maintenant, et que je suis habituée à faire des souterrains qui vont de par-ci par-là, je commence à être habituée avec le sens de l'orientation sur ça. Et là, on est au début du souterrain. Là, mon souterrain, si je pars dans mon délire habituel, mais je vais faire des souterrains, mais hyper grands. Genre, il va y avoir énormément de trucs, que ce soit des champs, des animaux, enfin des enclos d'animaux, tout bordel, quoi. Mince, fallait que j'aille... Je creuse. La TNT, j'en utilise quasiment jamais.
Là, je finis ce couloir là aussi, de descente. Du coup, je voulais. C'est ça, Yvonne, c'est totalement ça. C'est pour ça que j'en fais pas. Et puis la TNT en général, j'ai jamais de quoi en faire parce que bah une fois que j'ai les élytras, je suis du genre à utiliser énormément. J'utilise énormément les élytras, du coup, bah ça fait que voilà. Je dois te laisser, je te l'heure si tu veux. Tu fais comme tu veux, mais merci Patrice en tout cas. Merci en tout cas d'être passé et passe une bonne soirée. Ouais, je sais, Gun. C'est pour ça qu'il faudrait que je fasse soit une ferme à mob, soit je ferai une ferme à creeper. Parce que je sais que j'en fais une consommation astronomique, parce que les électrages, j'en épuise tout le temps. Ah, ça change un petit peu que ce que je fais d'habitude, mais c'est pas trop mal en vrai. Je vais voir comment après je me mets pour faire la lumière. Peut-être que je mettrai des carpettes avec des lanternes. Attends, t'es bien. Des lanternes, qu'est-ce que je raconte? Non, pas des lanternes. On a presque envie de relancer sur une souris. Let's go! Ah, si t'as le temps, pourquoi pas en vrai après, Yvonne? Totalement dans des tests, donc faites pas gaffe par rapport à ce que je fais. Là, faudra que j'utilise schématique un moment parce que je vais utiliser une. Enfin, je vais faire une ferme à. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié, non, ça y est. Une ferme à. J'en ai marre de perdre les noms. À l'aide. Je perds tout le temps les noms. J'en utilise de temps en temps, mais quand je suis en tout terrain, j'évite. Mais je peux en remettre un si tu veux. Non, pas ça. Je vais mettre le BLCL par exemple. C'est vrai que je pense jamais à mettre de shader en général. Oula, j'ai perdu beaucoup d'FPS là, non? Oui, non, on va éviter le BLCL en fait. Peut-être mettre tôt, peut-être le Chocapic. Attends, il fait des choses bizarres là, le choc épique, c'est pas des nuages ça. What? Le choc épique, il me fait des choses cheloues. Le continuum peut-être. C'est en fait malheureusement c'est que quand j'utilise certains shaders ça fait bugger un petit peu. Lui par exemple malheureusement en fait je vois pas l'éclairage. Le Ebin Shader Master, j'ai peur qu'il me fasse bugger. Ah non en fait il s'est pas bugger. Et il est bien lui. On va rester sur le Ebin Shader. Il est très joli un peu ce shader, j'aime beaucoup. Du coup, peut-être récupérer à nouveau de la deep slate, parce que je ne sais pas encore comment je vais faire le plafond. Ou alors je le fais en. Ah non, je ne vais pas le faire en deep slate, je vais le faire en machin. Yes, l'eau est très jolie avec celui-là, ouais, je suis complètement d'accord. Non, ça j'avais gardé avec moi. Ça je garde.
coup, je vais voir ce que ça rend dans la salle des coffres. Sur une ours. Ça marche, Carolino. Passe une bonne soirée. Merci d'être passé. Avec de la pierre taillée, je pense. J'en ai encore par hasard de la pierre taillée. Du coup. Non, par contre, j'ai de la roche normale. Je pense qu'on va utiliser des dalles. Attendez. Je vais peut-être le creuser de 1 déjà avant de faire le. Je vais le creuser, ouais, de le placer. Peut-être enlever les shaders par contre, quand même. C'est bien sympa les shaders, mais malheureusement, bah, c'est pas évident, je trouve. Ouais, c'est ça, Yoann, c'est totalement ça. Sachant que je suis sur 10 heures de live là actuellement, je vais éviter de mettre des shaders, je t'avoue. Ah non, ça fait pas 10 heures que je suis sur Minecraft, mais ça fait 10 heures au total que je live, c'est ce que je veux dire. Non, non, on a joué pas mal à Zelda Breath of the Wild et on a fini Pokémon Argent Soul Silver randomisé. Live 10 heures sur Minecraft, je peux me les faire, ça me dérange pas. Techniquement, je me les ai déjà fait. Hein. Il y a eu un temps où je liveais énormément sur Minecraft. Où ça en était mon contenu principal. C'est à l'époque où j'avais pas encore un très bon PC. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Minecraft. Ah, non! Bah, moi déjà, je sais, en fait, dès que le jeu me motive et que j'ai des trucs à faire en survie, genre du build, des trucs du genre, je fonce. Je fonce, je fonce, je fonce. Mmh.
C'est pour ça qu'en un mois et demi, j'ai fait littéralement une ville, parce que bah... J'ai été motivée. Une fois lancé, on travaille plus. Yes, c'est ça, c'est totalement ça. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah merde! J'ai oublié un truc, j'ai oublié de finir ici! Quel con! Yes, c'est ça! Bah, je sais qu'à une époque, au tout début que Minecraft est sorti, j'avais un pote au collège, il me disait: ah, faudrait que t'essayes Minecraft! Donc, moi au début, je connaissais à peine de nom le bordel, et je disais, bah, j'ai littéralement. Enfin, c'était en 2011 après, hein. J'ai sorti littéralement, c'est de la merde! 2016, 5 ans plus tard, qu'est-ce que je fais? Je commence à jouer à Minecraft. Donc en soi... Donc comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et en soi, les graphismes, ça peut s'améliorer en fonction du pack de questions. Mais tout se passait par là. Ouais, mais ça me fait rire, comme quoi j'ai changé d'avis quand même, je sais pas quoi. Ouais, clairement, on peut tout modifier, ouais. C'est ça qui est impressionnant et que j'aime beaucoup par contre chez Minecraft, c'est comparé à beaucoup d'autres éditeurs de jeux vidéo. Eux, ils ne sont pas contre les créations de la communauté au niveau de que ce soit des mods ou autres à rajouter. Notch a eu l'ouverture d'esprit de dire faites ce que vous voulez, que ce soit un sacré pareil avec les communes sur internet, ouais. Et au final, quand tu vois tous les mods qui existent sur Minecraft maintenant, bah t'es en mode, c'est trop bien. Ce qui est trop bien, c'est que ils ont, enfin, je crois que c'était encore à l'époque, c'était Notch, il avait quand même pris des trucs qui venaient de mods, genre les chevaux par exemple. Les chevaux, ils viennent totalement de mots créatures. Même encore aujourd'hui, il s'inspire, il me semble. Il me semble aussi.
Il me semble aussi là-dessus, je t'avoue. Je sais plus après, mais il me semble. Voilà. Et du coup, il fallait autre chose. Ah, il fallait que je fasse des trucs en nether brick. Mais je crois que la nether brick, je vais éviter la boulette et de les remonter en haut. Alors je le fais en haut. Par hasard, vous les rangez quelque part par ici. Oui. Bingo. On va faire un peu numérer, si on peut en avoir plus besoin. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Et on va utiliser des dalles du coup. J'espère que ça va bien rendre, parce que ça j'ai un doute. Je suis un peu dans le doute là-dessus. What, ça va, ça pourrait être bien en vrai. Merde.
Alors, j'ai pu muter. Ah, voilà. C'est sûr que j'aurais cru assez. Je teste un truc. Je vais faire tout le contour comme ça. Et au milieu, je vais mettre autre chose. Faire un test, hein. Enfin, je sais pas, du bois, je pense. C'est nickel. Et ben, on va changer, du coup on va peut-être faire du sapin. Je sais. Il y a une profondeur supplémentaire, je pense. Et je vais être plutôt des planches. Ça va bien rendre, je pense, ça va bien rendre. Ah, je suis contente. C'est la première fois que je fais un truc comme ça, c'est stylé en vrai. Ça rend bien, ouais. Ça rend vachement bien. Sympa, j'approuve. Merci, Yann.
quand je finis ça et on finit tout ce qui est rangement des coffres, je pense que je le ferai de mon côté. Ça sera fait. Là, le live, il pas tarder à le couper du coup. Tout ça après de mon côté, mais sinon, et je finirai de mettre les lumières. Mais sinon, la salle des coffres est officiellement terminée. Ah, je suis pas contente. Très contente, ça rend bien. Oh. Remplir de richesses, c'est ça. Je m'en occuperai hors live, ça devrait ranger les coffres et tout. Bon, allez, je vais couper le stream ici, les gens. Hop. Je me déco du serveur. Je saurai ce que j'aurai à faire après. Hop. Je vais vous envoyer chez Zirconi. Il live encore sur Pokémon. Sur Pokémon. Je vais vous envoyer chez lui. Donc, je compte sur vous pour être sage là-bas. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain après pour un nouveau live. Et bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao.